ce que je vais te demander, on va faire un tout petit exercice. Bah, les D'accord. paupières, faire comme si les paupières étaient collées. Tu vois? Et tu vas simplement imaginer que tes paupières sont collées l'une sur l'autre. Tu attends quelques instants. Et effectivement, tu sais très bien que tu peux décoller les paupières quand tu veux. Mais tu vas faire comme si. Hein? Et tant que tu fais comme si, effectivement, je vais ajouter une ou deux suggestions, et là, je pourrais faire le son. Hein. Vas-y, maintenant, qu'on puisse te voir sur l'écran. Voilà. Tu fermes les paupières. Tranquillement, voilà. Et maintenant, tu fais comme si tes paupières étaient collées l'une sur l'autre, mais vraiment collées l'une sur l'autre. Et si le terme collé ne te plaît pas, tu le changes. Mais qu'elles restent bien, bien fermées, comme si tes paupières étaient hermétiquement fermées. Voilà, ça c'est bien. Tu testes leur fermeture quelques instants. Voilà, ça suffit. Maintenant, parce que tu fais comme si tes paupières étaient collées l'une sur l'autre, rien ne peut te déranger. Rien. Pas même moi si je te faisais un son. Tu vois, je pourrais poser une voix d'abord, je pourrais faire un son dentaire, etc. C'est immédiatement cette capacité de te dissocier et d'être dans le travail de l'imaginaire qui te permettrait de supporter l'insupportable, de rendre neutre ce que tu craignais le plus. Là, tranquillement, à ton rythme, tu vas revenir un peu plus présente, c'est-à-dire dans un instant, après une ou deux respirations, tu ouvres les yeux. Là, même là, le fait que je te le décrive, c'est une induction excessivement rapide. Ce qui est intéressant par rapport au travail, d'autres travails d'induction rapide, c'est que très très souvent, on mobilise l'imaginaire des patients en leur demandant, par exemple, de retrouver une activité qu'ils aiment, de s'éloigner du lieu de soins pour se retrouver dans une activité qu'ils aiment. C'est ce qu'on appelle un peu l'hypnose conversationnelle. Et l'infirmière ou le médecin guide le patient par des questions sensorielles sur le souvenir que le patient a choisi. Là, on se rend compte qu'on mobilise l'imaginaire sans proposer d'image. C'est simplement le comme si. Et en fin de compte, l'hypnose, c'est ça, c'est comment passer du réel à du virtuel. Le réel, ben, c'est là que tu es en train de me regarder, tu analyses un petit peu tout ce que je te dis, etc. Tu le confrontes à ton savoir, etc. Et déjà, même en faisant ça, tu bascules un petit peu dans le virtuel lorsque tu confrontes à ton savoir. Et là, dans l'induction d'Erickson, très rapide, tu fermes les yeux, tu sais très bien que tu peux ouvrir les yeux, mais tu fais comme si. Donc, tu mobilises immédiatement l'imagination. Et à partir du moment où l'imagination est mobilisée, ben nous, on peut faire des suggestions que l'imagination va accepter. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, mais quand on Mon est comme ressenti. quand on fait du comme si, même si on peut s'autoriser à les ouvrir, on est vraiment dans l'esprit. Vraiment, c'est oui, c'est l'imaginaire en fait, c'est le comme si et on le fait. Et même si, comme tu as dit, qu'on peut poser une voix ou peu importe, là on se dit bon, ça va peut-être stresser, mais en fait, vu que tu reviens sur le fait qu'on se ferme les yeux, Oui. on va sur une autre chose qui n'est pas forcément agréable, mais qui n'est pas non plus désagréable. Et justement, on reste sur du neutre. Donc ça, c'est quand même confortable. Oui.